J'ai une anecdote sur Valéry Giscard d'Estaing. Elle est extraordinairement drôle. Nous sommes en plein été, c'est la canicule, et il me regarde en me disant, est-ce que tu connais une méthode pour lutter contre la canicule? Parce que moi, j'en ai une. Et je lui dis, bah, nous, on fait des bombes à eau et on se les envoie à l'école. Et donc, on fait des bombes à eau, réellement, et on se les envoie à l'école. Et lui va mettre en place une mesure, il fait des mesures pilotes, donc ces bombes à eau, ballon de baudruche rempli d'eau, hein, et lui va mettre en place une mesure. Il dit, j'ai une mesure qui va compléter la mesure de la bombe à eau. Et il va imposer aux gens, ça s'appelle la journée du t-shirt blanc. C'est vrai. Donc il va demander à tout le monde de mettre un t-shirt blanc, hein, et de porter un t-shirt blanc. Réellement, tout le monde va porter un t-shirt blanc. Et en disant, ça va vous aider à tenir face à la chaleur, c'est une couleur plus appropriée que toute autre couleur. Donc pour lutter contre la canicule, on va vous demander de vous habiller en blanc et de mettre un t-shirt blanc. Parce que sinon, à manches longues, vous allez avoir chaud. Et on va se mettre au cours de la Trinité à Aix-en-Provence, au dernier étage de l'Institut universitaire de formation des maîtres, dernier étage de l'École normale supérieure. Et de là, on va jeter les bombes à eau. Et ensuite, une fois qu'on a arrosé tout le monde avec les bombes à eau, tout le monde en t-shirt blanc, il a dit, je descends et je vais prendre des photos.